Alors, le droit de manifester est un dossier qui a préoccupé la Ligue vraiment tout au cours de son histoire. Je me souviens qu'en 1969, la Ligue s'était opposée à l'adoption du règlement de la Ville de Montréal sur la paix et l'ordre. Lors du Sommet des Amériques en 2001, la Ligue avait formé une quarantaine d'observateurs, d'observatrices. Et suite au sommet, elle a produit un rapport dévastateur où elle dénonçait les pratiques de contrôle de foule, l'emploi d'armes, de gaz, la brutalité policière, de même que les conditions de détention vraiment cruelles et inhumaines qu'on retrouvait à la prison d'Orsainville. C'est dans ces circonstances-là que j'ai connu la Ligue des droits et libertés du Québec. Ça a été réconfortant de voir qu'il y avait des gens qui se portaient à notre défense. La Ligue a vraiment été là pour écouter nos témoignages. Alors, suite à ça, le comité permanent de la Chambre des communes a émis un rapport qui a fortement condamné les accusations, les arrestations, les tactiques que la police a utilisées. Ils ont par ailleurs recommandé que le gouvernement du Canada tienne une enquête judiciaire complète et indépendante sur les événements du G20. Le printemps dernier aura été marqué par l'une des plus grandes vagues de répression policière de l'histoire du Québec contemporain. On leur a interdit de manifester. On a adopté des règlements municipaux pour ce faire. Alors, c'est pas pour rien que depuis le printemps dernier, plusieurs organisations de la société civile québécoise ont réclamé la tenue d'une enquête publique et indépendante pour faire la lumière sur l'ensemble des événements. On a tellement vu de scènes de brutalité policière à la télévision ou ailleurs, il y a comme une banalisation du phénomène. Pourtant, il n'y a rien de banal là-dedans, c'est grave. On s'est mobilisé avec succès contre la loi 78 et elle a été finalement retirée. Il reste malheureusement encore les règlements anti-manifestation. Alors, il faut continuer et crier ensemble encore plus fort.